On va avoir des problèmes. Ce que je fais demande une certaine rigueur. J'exécute des missions sur des cibles désignées. C'est facile d'appuyer sur la détente, mais un boulot est réussi quand personne ne se doute que vous étiez là. Certaines doivent ressembler à des accidents, mais dans votre cas, aucune discrétion n'est requise. Le QG de la confrérie des guépards est fini. Et toi, à propos de l'agence des épées, je suppose que le nettoyage est terminé? Oui, c'est terminé. Enfin, c'est presque terminé. Ah, le guépard, je t'attendais. Parce que je vois, Patrick, t'as déjà recruté quelques gars. C'est bien ça. C'est bon, on s'est débarrassé de l'agence TDP dans cette ville grâce à toi. Ouais, c'est réglé, je m'en suis occupé. L'agence TDP dans la ville d'Evo City, il y en a plus. Maintenant, c'est nous qui avons le business. C'est la confrérie des guépards qui récupère le butin. Le plus important, c'est de faire nos preuves auprès de la ville. D'ailleurs, comme tu vois, grâce à certaines de tes actions, j'ai pu recruter pas mal de personnes. Des assassins plutôt confirmés, tu peux me faire confiance, tu sais très bien que je trouve que des gars sûrs. Bon, trêve de baliverne maintenant, j'ai un contrat pour toi. Il suffit juste de faire un simple assassinat dans la plus grande discrétion. Ça me parle, ça sera pas un problème pour moi. Non, je vais t'envoyer toutes les infos et tu pourras y aller. D'accord, tu me transmets tout ça dans la tablette? Ok, je vois bien le contrat. T'envoyer les coordonnées, tu vas pouvoir aller rencontrer le client là-bas, il te donnera toutes les infos nécessaires. Bien, je vais récupérer de l'équipement et du coup je m'y mets tout de suite. A tout à l'heure, Patrick. C'est vous qui appelez pour le service de nettoyage? Oui, du coup, oui, c'est moi. Donc, du coup, cet homme, c'est le cuisinier de la ville. Et là, du coup, il me vole tous mes bénéfices, tous mes clients, tout mon argent. Et cet homme, c'est le cuisinier de la ville, en fait, travaille chez Burger King. Vous voulez que j'abatte un concurrent, tout simplement, pour pas passer par quatre chemins? Voilà, ça reste mon concurrent. D'accord. Alors, écoutez, j'ai besoin de certaines informations. Pour commencer, où est-il? Deuxièmement, comment vous voulez que je l'abatte? Est-ce que vous avez une préférence? Ça fait partie du petit bonus chez nous, dans la confrérie des guépards. Vous me demandez comment vous voulez que je la batte, et je la battrai de la manière que vous me le demanderez. Et dans un troisième temps, combien vous comptez me payer pour ça? Premièrement, il travaille au Burger King, centre-ville à côté de la banque. Ensuite, je préférerais qu'il soit tué assez discrètement. Je veux pas qu'il y ait de preuves, je veux juste que la clientèle revienne vers moi et pas qu'elle soit apeurée, on va dire. D'accord, donc vous voulez pas que je me montre? Vous voulez que je la batte de loin? Voilà, discrètement, le plus possible. Votre montant, c'est quoi, de 5000 euros? Je vous laisserai faire le virement sur le compte offshore. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, on ne s'est jamais vu. Si jamais un jour vous vous rappelez de moi, vous risquez de ne plus jamais vous souvenir de quoi que ce soit. Est-ce que je suis bien clair? Non, il n'y a pas de risque. Bien, bonne journée, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Ok, je suis devant l'objectif. Maintenant, il suffit de trouver un endroit où me placer rapidement. Où j'aurai un accès. Nickel. Bien. J'espère que la cible ne prendra pas toute la journée pour sortir. Il y a malheureusement trop de citoyens pour que j'aille à l'intérieur. Ah, voilà ma cible. Trop de monde autour. Barrez-vous. Mort d'une crise cardiaque. Ça arrive tous les jours. Alors, est-ce que c'est bien la cible? On va quand même vérifier. C'est la bonne. Maintenant, mon but, c'est d'essayer de cacher ce cadavre, rapidement. Qui va, collègue? Voilà. Le corps est dans la poubelle de l'hôpital, ni vu ni connu, même le flic il a vu que du feu. Ok Patrick, c'est réglé, mission réussie sans problème. Normalement t'as dû recevoir le virement de 5000. J'ai reçu qu'un virement de 1000 euros. 1000 euros?
Le contrat était clair avec la personne, il m'a dit qu'il me payerait 5000 euros. Je vais m'en occuper moi-même et je vais aller récupérer la part qui nous manque, d'accord? Bonjour. Bonjour. Écoutez, je voudrais deux makis, un sushi et 4000 euros. Ah. Vous allez m'ouvrir la porte immédiatement. Vous m'avez payé 5000 euros pour abattre une personne. Il semblerait que vous avez fait un virement de 1000 euros uniquement. Je me trompe? Ah bah je me suis sûrement emmêlé les pinceaux. Ouais, je pense aussi, ouais. Bien. Et n'oubliez pas, les bons comptes font les bons amis. Ok, c'est réglé. T'as envoyé un nouveau contrat, tu peux le prendre tout de suite. Je vais t'envoyer les localisations et tu peux y aller maintenant. Les gars, le dernier client qu'on a eu, il a essayé de nous la mettre à l'envers. C'est le traiteur asiatique, au lieu de nous payer 5000 euros, il nous a donné seulement 1000 euros. Allez lui donner une petite correction qu'on lui fasse comprendre c'est qui la confrérie des guépards. Bonjour. Bonjour, c'est moi. C'est vous qui avez contacté l'agence des guépards pour un petit contrat, pour le nettoyage? Mon employeur, le maire. Attendez, on va peut-être se mettre à l'écart pour discuter un peu. Que oui, mon employeur, le maire, m'énerve beaucoup. Il m'a mis une prime de merde pour ce qu'il a eu dans son coffre. J'aimerais qu'il soit capturé puis abattu devant mes yeux pour que je pète de sa gueule. Parce qu'il m'a fait chien, etc. Donc. Vous êtes traité de chien, d'accord. Si je comprends bien, votre employeur qui est le maire actuellement vous traite vraiment très mal. Et du coup, vous voulez que je lui enlève la vie pour ça, c'est bien ça? J'ai trois questions pour vous. Premièrement, travaillez-vous toujours pour le maire? Oui. Êtes-vous capable de me faire rentrer en passant par la porte principale? En faisant croire que vous m'avez fouillé et que je suis clean? Oui. Êtes-vous capable de me faire retrouver avec vous et le maire dans une salle tout seul? Oui. Eh bien, dans ce cas-là, j'accepte votre contrat sans problème et je vais m'en occuper. Les gars sont pas très bien armés, en gros. Ils ont que des glocks. Allez-y. Je vous rejoins à la mairie dans 2 minutes, d'accord? Attendez-moi directement en haut. Vous demandez l'officier romain. Bonjour. Oui, vous voulez une salle d'armes, vous voulez quoi? Non, j'ai rendez-vous avec l'officier romain. Bon, monsieur le maire, il souhaite s'entretenir selon les coups qu'on m'a dit, je vais vous laisser seul. Bonjour monsieur le maire. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer, monsieur le maire. Monsieur le maire, je peux vous parler juste un peu à l'écart sans qu'ils entendent? Que je vous dise quelque chose? Mais vous inquiétez pas, mon bras droit en fait est... S'il vous plaît, monsieur le maire, croyez-moi sans parole, je serais pas venu. Mon information est capitale à l'heure actuelle. Si je vous la donne pas, vous allez le regretter vraiment. Croyez-moi, ça prendra 2 minutes, je vous parle juste là-bas sur le côté, d'accord? Ok, bah je m'écarte, vous inquiétez pas, je m'écarte. Je vais vous dire la vérité. Je suis tueur à gages. Et l'un de vos hommes m'a payé pour que je vous abatte. Ok. Qui ou pas? Oui, je peux vous le dire, mais pas devant vos gardes. C'est hors de question, parce que ma vie est en danger et la vôtre aussi. Est-ce que nous pouvons aller dans une salle tout seul pour que je vous dise exactement qui c'est? Voilà ce qu'on va faire. Moi, je peux l'abattre pour vous, en échange d'un contrat. Pour ça, demandez à votre bras droit, qui l'emmène l'autre garde du corps dans la salle qui est au fond, d'accord? Oh, viens. Monsieur le maire, venez. Alors écoutez, ce que vous allez faire, venez monsieur le maire, vous allez me donner un contrat maintenant sur cette personne. Cette personne s'appelle Eric, cette personne s'appelle Eric Zemmour, d'accord? Et je vais m'occuper de lui. Cependant, monsieur le maire, il faut savoir une chose. Malheureusement pour vous, le contrat existe vraiment, mais tout le reste de l'histoire est faux, monsieur le maire. Malheureusement, je suis bien là pour vous tuer, monsieur le maire. Non, monsieur, je vous paye beaucoup d'argent. 10 000 euros, c'est bon, 10 000 euros. Malheureusement, le respect du contrat est important, monsieur le maire. Mais... Non. Je pense que récupérer le business de toutes les autres villes sera très très facile. Je pense pas que ce sera un problème. Par contre, je me suis un peu où j'ai garé ma voiture. Voilà, j'ai plus qu'à mettre le cadavre dans la poubelle. Et c'est réglé. Très bien. Un travail propre et efficace et aucune preuve. Je t'appelle pour te dire deux choses. Premièrement, le matériel électronique que tu portes contre la reconnaissance vocale de la police est défectueux. Et j'ai bidouillé l'application qui te permettra de t'envoyer les contrats directement à toi. T'auras plus besoin de passer au QG. Ok Patrick, merci pour l'information. Bonjour monsieur. C'est vous qui avez appelé pour le service de nettoyage? C'est ça. Oui monsieur. Du coup c'est un gros qui nous a menacé de nous tuer parce qu'on voulait pas faire ce qu'il voulait nous faire sur nous.
Alors fournissez-moi les informations pour que je puisse voir les photos de la personne. Alors, c'est un gros avec un t-shirt bleu avec un logo, je crois que c'est un S sur son t-shirt. Il a un casque rouge, un casque de musique ou de truc pour pas entendre le son. J'ai trois questions. Premièrement, où est-il actuellement, si vous le savez? Deuxièmement, combien comptez-vous me payer pour cette mission? Et troisièmement, comment voulez-vous que je la batte? Est-ce que vous avez une préférence? Alors, il est trop souvent en ville. 3900, vous la battez, bah normalement, enfin, comme vous voulez. Eh bien, écoutez, ce sera fait. Je vous en remercie. Bonne journée, monsieur. Alors, où peut se cacher ce gars-là? J'imagine, selon la photo que j'ai vue, qu'il doit traîner vers le McDo. Ah, je pense que c'est lui. Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous savez où c'est que je peux acheter à manger, s'il vous plaît? Alors, c'est facile, suivez-moi avec votre voiture. Bah, montez dans ma voiture tant qu'à faire. Oui, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Montez dans ma voiture, je vais pas vous suivre alors que vous êtes à pied. Ok, alors dites-moi, c'est par où? Voilà, là vous avancez tout droit parce qu'on respecte rien. D'accord. Et là, c'est à droite. Ok, très bien. À droite, à droite. C'était à droite, c'est monsieur, ça? Monsieur, vous êtes pas allé au bon endroit, arrêtez-vous, ah. Arrêtez-vous. Ok, je me suis trompé, autant pour moi, monsieur. On va faire le tour. Vous voyez ce que j'ai dans la main actuellement? Oui, c'est bien une arme. Donc là, vous allez rester calme maintenant, d'accord? Ok, accroupi, les mains levées, dépêche-toi. Il semblerait que toi, le camion que tu es, tu t'amuses à faire peur aux dames, tu les menaces. Levez-vous, s'il vous plaît, et mettez-vous contre... Monsieur, défoncez-le, ce gros porc. Il a voulu nous tuer la dernière fois. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Ne parlez pas en même temps que moi. Circulez, s'il vous plaît, pour éviter d'être un témoin. Si vous êtes un témoin, je serai dans l'obligation de vous abattre, monsieur. D'accord. Mais... on peut s'arranger, monsieur, on peut s'arranger. Vous inquiétez pas, on peut s'arranger. Vous avez une dernière chose à dire avant de quitter ce monde? J'espère que mes enfants se tiendront bien. Faut-il pour ça avoir des enfants, monsieur? Voilà, affaire réglée. Prochain contrat. Ah, je vois que Patrick a vraiment bien taffé. On a de plus en plus de contrats, à ce que je vois. J'ai un partez, ami, monsieur. J'attends un ami. Bah non, je suis venu là pour attendre un ami, monsieur. On est actuellement en train de rechercher une personne qui a fait un braquage de micro-manière. Ah, monsieur, c'est quelqu'un. Vous énervez pas, monsieur, je vais juste parler à mes collègues pour qu'on s'en aille d'ici et qu'on se parle ailleurs, d'accord? Vous me permettez, vous me donnez une plus vite. C'est vous qui avez appelé pour un nettoyeur. Je crois que c'est mon collègue là. Ils vont se dépêcher à dégager là. Ça fait plus d'une minute. Attendez, tu parles à qui comme ça? Allez, dépêche-toi là. À vous. Excusez-moi du retard, hein, mais mon super ouais, arrivé. Dans le véhicule, j'ai des choses à dire au bonhomme. Remontez dans le véhicule, rentrez à la base, il y a du stress. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez appelé pour un nettoyeur. Excusez-moi, j'ai un problème avec un... Ouais, c'est pas moi, c'est pour moi, un kidnappeur précis. Pour un kidnapping, c'est ça? Je vais vous expliquer, c'est un chef des Yakuza, il a intégré le GIGN, mais c'est quand même un chef des Yakuza. On a besoin d'avoir des informations concernant son gang. J'ai trois questions, j'ai besoin de ces trois réponses. Premièrement, est-ce que vous savez où il est actuellement? Deuxièmement, combien comptez-vous me payer pour ce kidnapping? Et troisièmement, avez-vous une préférence pour ce kidnapping? Il est juste derrière vous, dans le véhicule du GIGN. Je vous paye 10 000 dollars, j'ai pas de préférence particulière. Je vous laisse me fournir la petite photo de cette personne pour que je la reconnaisse. Il ressemble à ça. Donc ouais, il est en combinaison, c'est normal. D'accord, très bien. Vous avez un endroit où vous voulez que je me ramène? Je le veux parce que je... c'est Villa Smith. Villa Smith, d'accord, très bien. Donc là, regardez, justement, vous avez un petit indice, là, il est juste derrière vous. Monsieur, s'il vous plaît, je peux vous donner une information? Vous voulez vous? Papa? Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait ici une intervention à cause du micromanien, on est d'accord? Oui. Bien, je sais qui c'est. J'ai pas envie de mourir parce que je vous donne une information, monsieur. Est-ce qu'on peut se mettre caché quand même pour que je vous le dise? Si vous voulez, vous pouvez monter dans mon camion. Non, monsieur. Wow. Monsieur, s'il vous plaît, partir, je pense. J'ai une voiture, venez, j'ai une voiture, monsieur, venez. J'ai une voiture. Vous êtes où? Oui. Je vous connais pas, mais je vous aime déjà bien. Vous m'avez sauvé la vie. Je pense que vous allez pas beaucoup m'aimer dans quelques secondes. Vous voyez ce que j'ai dans les mains là? Je le pointe vers vous. Effectivement, c'est bien une arme. Monsieur, si vous voulez, on peut s'arranger. Vous savez, là où j'ai grandi, il y a un proverbe. C'est beaucoup d'art. Il y a un proverbe bien intéressant, je vais vous le citer. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se la fermer. Donc maintenant, vous allez vous taire, sinon la balle pourrait partir très vite, d'accord? Je vais vous dire une chose, je suis tueur à gages, d'accord? Mais on m'a engagé pour vous kidnapper et non pas vous éliminer. Vous avez beaucoup de chance. Il semblerait que vous ayez des problèmes avec certaines personnes et j'ai été payé dûment pour vous ramener. Laissez-le moi là. Vas-y les gars, on le coffre. C'est bon, tu peux entrer, chef, c'est bon ça. Tenez.
Merci beaucoup, monsieur. Les bons comptes font les bons c'est amis. Bon, vous avez votre si vous avez argent. Besoin de moi, merci beaucoup pas encore à une fois. L'agence. Et on va en prendre une dernière mission, je pense, pour la journée. Et puis après, j'irai me coucher. Excusez-moi, j'ai un problème avec la police. Bonjour. Il me semble vous avoir déjà vu aujourd'hui, vous. Je me trompe? Oui, vous m'avez vu, oui, effectivement. Visiblement, je peux encore être utile. Du coup, là, en fait, c'est avec ma copine. Vous savez, ma copine en bleu. C'est avec ma copine en bleu, j'ai eu un petit problème. Simplement, elle s'est foutue de ma gueule, etc. Elle voulait faire des choses pas très catholiques, du coup, et surtout avec moi et mon mari. Du coup, moi, je n'accepte tout simplement pas. Et je voudrais que vous fassiez ce que vous avez fait pour le gros, tout à l'heure. Vous connaissez ma méthode. Pas quoi. Mes trois questions, savez-vous où elle est actuellement? Deuxième question, combien comptez-vous me payer? Troisième question, avec quelle méthode? Oui. Voulez-vous que je l'assassine? Donc pour la méthode, ça va être la méthode proche parce qu'elle va pas bouger de son magasin là. Où elle est vers le JGN en fait, c'est le magasin 3. Elle fait une pipe à des hommes en costume et au chapeau. Et le prix c'était un peu plus de 2000. Très bien. Alors écoutez, c'est le dernier contrat que je fais pour la journée. Et je vous avoue que j'ai reçu une bombe dernier cri, j'ai envie d'accord. de la tester. Est-ce que votre copine a une voiture? Malheureusement non, mais elle en a une, mais elle est au garage, mais la mienne je peux pas la sortir parce qu'on me l'a fait voler. J'ai vu une voiture pas loin d'ici, d'accord? Je vais acheter cette voiture, vous allez la prendre. Vous allez aller au magasin, vous allez aller voir votre copine, vous allez lui dire que vous regrettez de vous être énervés tous les deux et que vous voulez passer à autre chose. D'accord. Vous allez lui dire que vous avez une nouvelle voiture d'accord. et vous allez lui demander de la prendre. Je vais vous demander de surveiller ma voiture pendant ce temps-là, d'accord? Très bien, de la surveille. Bien. Projetons vite cette voiture et ramenons-la au client. Donc je monte, et vous me suivez? Je vous suis. Bonjour. Le véhicule, s'il vous plaît. D'accord, vous pouvez rentrer dans votre véhicule. J'espère que cet abruti va pas vérifier les plaques parce que cette voiture lui appartient pas. Ça passe ou ça casse, ça passe. Je vais placer la bombe à l'avance, d'accord? Très bien, mais le problème c'est que si vous la placez et que je l'emmène au magasin, je risque de péter. Non. Il faut que je l'emmène au magasin après, non? Si la voiture explose, il faut que j'appuie sur la touche de mon téléphone. Elle explosera pas, d'accord? Faites en sorte qu'elle monte le plus vite possible dans la voiture. Très bien. Salut, ça va? Dis-moi, il y a un véhicule rouge au GIGN. Est-ce que tu peux venir le prendre et m'emmener, venir me chercher au McDo? Non, va chercher le véhicule rouge, s'il te plaît. Dépêche-toi, s'il te plaît. Et viens vite au McDo. Elle est habillée en robe et elle risque de sortir. Elle sort. Ok, elle. Très bien. Eh bien, je crois qu'il est temps d'envoyer le feu d'artifice. Un grand merci, monsieur, je vous aime. Je vous en prie. Maintenant, oubliez mon visage. On s'est jamais vu, d'accord? Bonjour, monsieur. Même pas de fouille dans le coffre. Alors que le cadavrier, excellent. Eh bien. Les poubelles de la ville sont remplies de cadavres. Tiens, une nouvelle voiture. Et la voiture de Patrick, où est-ce qu'elle est? C'est bon Patrick, tous les contrats ont été accomplis avec succès. Je vais arrêter pour aujourd'hui, je suis fatigué, je vais aller me reposer, on reprendra demain, d'accord? Ouais, c'est bon, je vais vérifier, toutes les transactions ont été effectuées sur le compte offshore. D'ailleurs, tu me diras, je vois que t'as acheté une nouvelle bagnole. Tu sais très bien que j'aime bien les belles voitures. C'est bien de l'avoir remplacée par la Ferrari, ça faisait un moment que tu l'avais. Comment ça? Mais non, j'ai acheté de nouvelles voitures en plus de la Ferrari. Eh bien malheureusement, Patrick, je crois que ta Ferrari n'est plus dans le garage. Quoi? Si t'as aimé la vidéo, alors laisse un petit like et vas-y abonne-toi. Si t'as pas aimé la vidéo, alors retourne-toi que je te mette un petit doigt.
Et n'oublie pas, si tu veux passer me faire un petit coucou, viens me voir sur mon Twitter. Ou alors, viens me voir quand je suis en live sur Twitch. Allez, salut.